Jacques Peyrat naît à Belfort le 18 octobre 1931, dans une famille de militaires. Son père, Noël Peyrat, est un officier de l'armée à la réputation austère. Et sa mère, Simone née Boisselier, une artiste, alors enfant durant l'invasion allemande de la Seconde Guerre mondiale. Il s'enfuit avec sa mère et sa grand-mère. À l'âge de 14 ans, sa mère les quitte, et il vivra avec son père et son frère. En 1946, la famille Peyrat s'installe à Nice. Il est scolarisé au lycée Masséna où l'un de ses professeurs est le futur homme politique Charles Herman. Il obtient son baccalauréat philosophie en 1948 et entame des études de droit à l'Institut d'études juridiques de Nice puis se rend à Paris, à la faculté de droit, place du Panthéon, pour effectuer son année de licence. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Jean-Marie Le Pen, lui aussi étudiant en droit et alors président de la Corpo, avec lequel il se lie d'amitié. Il fait ainsi partie en janvier 1953 de l'expédition de secours d'étudiants volontaires, organisée par Le Pen pour porter assistance aux populations sinistrées des inondations qui venaient de frapper les Pays-Bas. En tant qu'étudiant à Paris, il faisait partie d'une organisation opposée à l'UNEF qui soutenait l'Indochine française. Son engagement était justifié par le fait qu'il jugeait que la France se délitait. Depuis 1936, la défaite de l'armée française en 1940 l'avait marqué alors qu'il était enfant et la libération s'était selon lui suivie d'un effondrement des mœurs et des valeurs.